Alors, Alain Robbe-Grillet. J'ai lu ce livre et, bon, c'est vrai que comme Déon, c'est très loin de moi. Néanmoins, moi, je comprends ce type de recherche. Je ne crois pas, contrairement à ce que vous pensez, je ne crois pas que ce soit de la spontanéité. C'est une recherche littéraire. La preuve, c'est que vous ne parlez pas de la même façon. Donc, il y a la recherche de quelque chose, et il y a quand même, aussi, là, c'est plus les anciens et les modernes, mais il y a deux traditions quand même dans la littérature. Il y a une tradition écrite et une tradition parlée. Et c'est vrai qu'on a cité les derniers Céline, appartenant à la tradition parlée, ou le dernier Solers dont je parlais tout à l'heure, ça appartient à une tradition qui, justement, ne se sert pas du tout de la syntaxe. Ce sont des formes non syntaxiques, si vous voulez. Bon. Mais je crois que ce sont quand même des recherches littéraires. Et même si on s'en sent très loin, c'est une façon d'appréhender le monde. C'est pas par hasard, quoi. Mais est-ce que vous pourriez dire le style de Evanenska, c'est elle, c'est, donc le style, c'est la femme, en l'occurrence. Autant que cette formule ait un sens, et on s'est bien d'accord ici pour faire des réserves sur le sens de cette formule. Ah non, pas du tout. Robert Canter s'est bien expliqué. Ah oui, mais Canter, c'est un brontosaure. Alors, défendez-vous, là, Robert Canter. Bon, alors, est-ce que vous diriez d'Evanenska que le style, c'est la femme? Qu'elle a un style... Oui, mais alors, une seconde. Qu'est-ce que ça veut dire, le style, c'est l'homme? Est-ce que c'est l'homme tel que je suis né ou tel que je me fais? On se fait soi-même. Le style, c'est quelque chose par lequel on se fait. Et elle est en train de se faire. Elle a eu, dit-elle, des tas d'ennuis avec le monde, etc. Et elle s'est mise à écrire. C'est pas par hasard. Donc, l'écriture est déjà une tentative de dominer quelque chose qui est ses mauvais rapports avec le monde. Dans son livre, et les tentatives en question vont se... Elle explique même que pendant que son mec fait la vaisselle, elle écrit. Oui, je trouvais ça quand même. Et par conséquent, je pense que ce mode non syntaxique est malgré tout tout à fait acceptable. Robert Canter, votre opinion? Je...